Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui sur Watch Dogs pour une toute nouvelle vidéo. Je l'ai eu hier en fait, on me l'a prêté, je me suis mis dessus toute la nuit et je l'ai fini. Et je vais vous donner mon point de vue, ce que j'ai apprécié, ce que je n'ai pas apprécié. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire une petite virée en ville, hein. On va tout de suite prendre une voiture. La voiture est arrivée. Voilà, celle-ci, je l'aime Voyons ça bien. dans le coin. On va voir tout ça, on va regarder comment ça se passe avec le fameux smartphone d'Aiden. Donc c'est oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis voilà. Donc voilà, je l'ai fini, j'ai dû mettre environ 6 heures. Ah ouais, un peu plus de 6 heures. Donc au niveau du scénario, pardon, je vais pas vous spoiler comment bah, l'histoire. Mais en tout cas, il est vraiment énorme, quoi. Hein. C'est tout au long de l'histoire, on a vraiment besoin notre fameux gadget, hein, ce qui fait le charme du jeu, le smartphone qui nous permet de contrôler vraiment toute la ville. Bah, d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai pu carrément faire changer le pont de direction. Et voilà. Alors, on va aller faire un petit tour. Donc oui, voilà, au niveau de mon point de vue, alors j'ai vraiment apprécié, le scénario est vraiment énorme, l'histoire aussi. Bon, par contre, c'est vrai que les missions, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup, enfin du moins pour les missions principales. Il y a 5 actes, tous différents bien sûr. Par exemple, le premier, on va avoir une quinzaine de missions. Alors que l'acte numéro 5, le dernier, il y a une mission et c'est la mission finale en fait. C'est ça qui m'a un peu aussi déplu. C'était vraiment court. Au niveau des graphismes, j'ai été surpris parce qu'à la base, je voulais pas du tout le prendre. Car quand je voyais les vidéos tournées sur PS4, je trouvais ça vraiment moche, hein, je le dis, je suis honnête, je trouvais ça vraiment moche. Et du coup, un pote qui lui n'y jouait pas, il n'avait pas le temps, me l'a prêté. Et j'en ai profité pour faire une petite vidéo et big up à toi d'ailleurs. Bah à Rémi, c'est grâce à lui. Et voilà, alors voilà, donc là on va regarder comment on pirate les gens, du moins leur téléphone. Donc moi ça sera sur PS4, donc avec la touche carré, vous voyez, on peut vraiment pirater les téléphones, les transformateurs. Là, ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de lumière, plus de courant du tout dans la ville, à part les voitures, bien sûr. Ils appellent ça le blackout, donc tout dans le noir. Hop, alors la musique, par contre, je me rappelle pas si je l'ai enlevée dans le. C'est dommage. Ouais, si, c'est bon. Donc voilà. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai terminé le jeu, mais je suis on va dire, en terroriste. C'est soit on est là pour le bien, soit pour le mal, et j'ai décidé de me mettre pour le mal. Donc il suffit juste que je sois dans la rue à pied, directement les civils vont alerter la police. Ouais, la course-poursuite et d'ailleurs tout de suite les dégâts. Donc grâce aux points de compétence qu'on peut débloquer en faisant des missions, des petits bonus, on peut débloquer par exemple des piratages supplémentaires. Donc comme vous avez vu, faire exploser la route, les tuyaux de gaz qui se trouvent en dessous pour éliminer nos poursuivants. Hop, donc là l'hélicoptère, pareil, on le désactive pendant 30 secondes et on se sauve. Voilà, hop. Alors par contre, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vraiment la police par rapport à GTA V ou même au 4 est vraiment plus coriace dans ce jeu. Elle va vraiment nous suivre partout, dans les petites ruelles. S'ils sont bloqués, ils vont passer par un autre endroit. Que c'est vrai que dans GTA V, j'ai trouvé un peu con, hein, faut le dire. Les flics, c'était pas trop ça. Voilà, donc hop, donc on va aller, tiens d'ailleurs, on va aller changer de fringue, ça va changer un petit peu. Hop, et on va aller se balader à pied et on va regarder comment pirater les caméras, tout ça. Alors, par contre, si je rate l'endroit, ça va pas le faire. Voilà. Voilà, donc il y a la possibilité de sortir et d'utiliser son portable à tout moment dans la rue, hein, juste en appuyant sur la touche carré. Hop, donc on peut même voir on va dire les biographies entre parenthèses des gens. Tiens, la musique, on va l'enlever, voilà. Voilà, par exemple celui-ci, voilà, golfeur émérite. Mais on peut observer, vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs, des piratages où on va voir, c'est vraiment marrant.
Il y a des choses hors du commun, on voit des gens. Je dis une bêtise, voilà, ils vont marquer violeur professionnel, quoi, c'est comme métier, c'est bizarre. Alors, dans la tenue, hop, on va prendre laquelle? Si je me souviens bien, j'avais pris une blanche, je crois. Ouais, c'est ça, la bah, blancheur, voilà, tout en blanc avec les bottes marron. Sable plutôt. Appréciez la marchandise. Et merci, au revoir. Voilà, donc ensuite on va aller faire une petite partie multijoueur, hein, une petite session piratage où on va devoir se cacher et pirater un autre joueur dans le monde. Voilà, donc là j'ai piraté un compte bancaire, enfin plusieurs, là c'est le premier dans la vidéo. On va aller au... Ah bah ils sont beaux ces deux-là. On va aller au distributeur et retirer l'argent des autres personnes. Donc là, j'ai retiré 14 020 dollars. Voilà, donc, hop, a récemment saccagé une chambre d'hôtel, pas mal. Ici une... Putain, on aurait dû la buter celle-là. Hop. A récemment saccagé une chambre, oui aussi. Ça c'est la même. Et voilà, donc là on va voir qu'on peut carrément pirater les caméras et voir tout ce qui se passe. Donc nous, on ne peut pas nous avoir, hein, parce qu'on est le hacker et donc on a un brouilleur sur nous. Okay, la canalisation, voilà. Boum. Donc on peut vraiment tout faire, quoi. Avec ce smartphone, on a vraiment le contrôle total sur la ville. Et on fait vraiment ce qu'on veut. Hop, donc hop là, je vais me mettre là, on va changer de partie. Je vais rechercher une partie en multijoueur. Et on va se retrouver tout de suite. Hop, nous revoilà donc pour une partie multijoueur. Donc voilà, on va dans le smartphone. On va donc contrat en ligne. Et on va faire une demande de piratage au serveur. Et il va nous trouver quelqu'un. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas une partie instantanée à la base. Là, j'ai eu de la chance. Normalement, on a vraiment un délai d'attente un petit peu long, un petit peu embêtant. Donc là, ça a même pas pris 10 secondes. Donc c'est sympa. Hop, donc activité du fixe de fixeur localisé. Voilà, on s'incruste dans sa partie. On n'a rien à foutre. Voilà, donc c'est parti. Une de nos cibles principales vient d'arriver en ville. Hop, donc Voulons que nos faut aller piratiques se là-bas. Normalement, on dissipent apparaît à et côté, mais là, il se assassinent le casse. Je sais corps. pas pourquoi. D'ailleurs, il doit être en mission. Allez, on va prendre une voiture, un truc rapide quand même. Parce que si on le suit avec un camion, ça va être compliqué. Allez, bouge! Voilà. Allez, on va le choper. Il est vraiment loin, pardon, salaud. Hop, on va passer le pont, on va le baisser parce qu'il l'a levé. Et voilà, donc je vais avancer un petit peu parce que j'ai vraiment eu du mal à l'avoir. À chaque fois que je m'approchais, il faisait le tour des bâtiments et c'était pas simple. Donc j'avance et je vous reprends directement quand je suis à côté, juste au moment de le pirater. A tout de suite. Voilà, donc nous voilà, il va arriver. Donc on va vite prendre la voiture parce que je sais qu'il va arriver. On n'aura même pas le temps de se garer, vous allez voir. Hop, on fait style. Et voilà, il est juste là. Allez, hop, on se cache. On a de la chance, il nous a pas vu. Donc voilà, on l'a attrapé le type. J'ai juste à lancer le virus, on va dire. Oui, c'est ça, le piratage. Et c'est parti. Donc nous le but c'est d'aller de se cacher, il faut surtout pas qu'il nous repère le temps qu'on lance la backdoor. Donc c'est on va dire ça comme ça, c'est un peu un truc de campeur, oui, même si c'est pas trop apprécié généralement de la communauté, mais dans ce mode-là, on n'a pas trop le choix, à moins de jouer le troll, hein. Mais ça c'est autre chose. Donc si je me rappelle bien, je vais me cacher derrière un mur et je vais avoir chaud plus d'une fois. Mais c'est vrai que on n'a pas de. Moi, j'ai pas d'icône au-dessus de moi, j'ai rien du tout. Donc ça va être difficile quand même pour lui de me retrouver. Surtout que là, on a un parking. Donc, vous voyez, regardez, hop, il est juste là. Voilà, donc on bouge plus. Et regardez bien, vous voyez, il doit vraiment me chercher avec son smartphone, lui, et vraiment tomber sur moi dans le périmètre affiché juste en bas sur la mini-carte. Voilà, donc il va me chercher pendant jusqu'au 100%, même si j'ai eu peur qu'à la fin il me trouve.
J'ai réussi. Vous voyez, là, par contre, il va aller. Par exemple, il va aller sur le niveau du dessus, chercher dans les autres voitures. Et à chaque pourcentage, par exemple, à chaque tranche, 25, 50, 75, 100, le champ de piratage se rétrécit et donc il aura plus de chances de me retrouver. Voilà, donc 50. Donc après, c'est vrai que moi, je me suis. On m'a déjà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la personne en face de nous n'est pas du tout en multijoueur, quoi. Elle est dans son solo et c'est nous qui nous incrustons comme ça, en fait. Ça tombe sur une personne au hasard. Moi, par exemple, ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein, je suis tranquille en mode solo. Au moment de commencer une mission, un type vient. Par exemple, le pire, c'est dans les rues piétonnes ou sur les parkings comme ça, là. Il y en a partout. Et ils nous trollent, des fois ils nous suivent, ou quand on fait le tour d'un camion, ils font le tour en même temps et on les voit pas du tout. Et donc à la fin, lui va savoir exactement où je m'étais caché, il va voir mon chemin. Et moi, la partie va se terminer. Voilà, j'ai gagné de l'expérience et recommencer autant de fois que je veux avec d'autres personnes. Voilà, donc 90. Voilà. Hop, donc là le champ va se rétrécir encore un petit peu. Maintenant c'est fait à 75, ouais, je sais pas pourquoi je dis ça. Et là il me semble que je l'ai entendu courir. Donc là c'est le moment où on stresse, hein, qu'il nous trouve dans les derniers pourcentages. Ça serait embêtant. Ah, si ça pouvait toujours être comme voilà, ça. Voilà, donc objectif accompli, hein, empêcher la cible de nous identifier. Vous voyez par exemple, j'ai gagné 1000$, 1000 points d'expérience, alors que lui il en a perdu. Bon là ça fait un peu haut pour sauter, on va passer en bas. Hop, le train, tu t'arrêtes. Ouais, les pauvres gens, ils vont rester là-haut toute l'après-midi, mais c'est pas grave. Voilà, donc, bah voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur Watch Dogs en solo et un petit piratage en multijoueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vert, c'est le meilleur moyen de m'encourager et de me remercier. Allez, salut, bye bye.